Bonjour à tous, vous êtes de retour avec nous pour un autre épisode de la série 7 Days to Die. Alors, une petite mise à jour concernant la série du jeu. J'ai essayé de faire quelques vidéos plus tôt cette semaine, mais il y avait un bug dans la version Alpha 12.2 qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas crafter pratiquement rien parce que ça disait que notre inventaire était plein. Alors, c'était pratiquement injouable. Par contre, il y a eu hier une patch, comme on peut voir en haut à droite, Alpha 12.3. Donc maintenant ça a été réglé. J'ai réussi à... En fait, maintenant on peut crafter des items même si on a... En fait avant on pouvait pas du tout crafter aucun item. Ça a été réglé, alors c'est maintenant redevenu jouable. J'ai vu vos commentaires qui disaient que pour ouvrir les coffres forts qui étaient verrouillés, il fallait les détruire à la pioche. J'ai commencé avec ma petite hache en pierre, mais c'est pas très efficace et je vais la terminer. Juste pour en faire une nouvelle parce que c'était de qualité 1. Donc c'est pas super efficace. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, je vais juste jeter un petit coup d'œil à la map. Donc on risque de reprendre le chemin et recontinuer vers le sud parce que avec une mine sans voir en sa possession un livre de forge, c'est pas super efficace. On peut pratiquement rien faire, on peut pas se faire de pic ou de trucs plus avancés. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être ramasser ce qui était plus... ce qui valait plus la peine pour l'instant. Je vais peut-être revenir ici plus tard, mais je suis pas encore certain parce que c'est quand même loin de la ville centrale. Donc je vais ramasser ce qui est plus important comme la nourriture. Ça ici, le reste c'était vide je crois. Excepté en haut dans le truc ici. Les antibiotiques, évidemment, on va les ramasser. Ceci, ceci, les painkillers. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses qui valent la peine ici? Ceci, les flèches, le métal qu'on va remplacer. Ça. Les barils, maintenant, on peut les transférer en métal comme ceci. Je vais prendre le plus de métal que je peux. Oh, maintenant les stacks sont plus hauts pour les métals, fantastique. Est-ce que... ça je peux faire scrap. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux garder? La colle, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Ça, je vais le garder pour l'instant parce que c'est quand même utile pour faire cuire les trucs. Oh, on a des flèches en steel. J'avais oublié. On va se prendre un stack. Oups, qu'est-ce que j'ai ramassé? Encore toutes mes shit. Ah, putain. Le reste, peut-être juste les munitions. J'avais oublié de voir ça ici. Ça. Oups, c'est pas ce que je voulais faire encore une fois. On drop ça. On prend les munitions à la place du métal. Shotgun, pistole, hunting rifle, pistole. Ça c'est hunting rifle. On va les laisser ici pour l'instant, puis plus tard si on voit qu'on peut revenir pour refaire le plein. D'ailleurs ça, je vais le laisser. On va pouvoir revenir ramasser les trucs qu'on a laissés derrière. Mais pour l'instant, on s'en va au sud. Sud-ouest, c'est bien ça, sud-ouest. Un petit peu sud-est pour l'instant. Puis, on va s'ajuster par rapport à la route. D'ailleurs, il va me falloir une pierre et... est-ce que j'ai de l'herbe négatif? Je vais faire une autre petite hache. Stone axe qui sera de qualité 55. Beaucoup mieux que la qualité de 1. Donc, sud-est jusqu'à ce qu'on trouve le chemin. Et ensuite, on risque de poursuivre notre exploration dans cette direction. Fantastique. Voici la route. Parfait. Donc, on va continuer par là. Puis espérer trouver quelque chose d'intéressant. Est-ce que j'ai laissé mon arme mêlée? Ici. J'ai gardé cette arme-là parce que je pense que je l'ai trouvée dans un sac lors de la nuit que j'avais pas vu. Oh, ça tourne par là. Donc on va se diriger vers le sud. Donc oui, la masse qu'on voit présentement, c'est une arme que j'ai trouvée dans un sac de sport à l'extérieur de la maison. Lorsque c'était tranquille, la nuit passée. Qui frappait, qui était beaucoup plus... ben pas beaucoup plus, en fait on peut le voir, les dégâts de celui-ci. 6.39 Entity Damage, et celui-là est de
6.93 et ça prend que des sticks à réparer. Donc c'est plus intéressant que le Reinforced Club qui prend des Metal Strips qu'on n'a pas du tout en grande quantité pour l'instant. Donc ça vaut la peine de garder celui-ci. On va ramasser quelques plumes pour faire d'autres flèches. J'ai fait dizaines de flèches. Donc ce qu'on recherche, c'est possiblement une ville. Est-ce qu'il me reste la bière? Non. Ils ont réduit de beaucoup, supposément, le spawn des ours, qui est une bonne chose à mon avis, parce qu'il y en avait beaucoup trop auparavant. Et considérant le fait qu'ils sont très dangereux, c'est une bonne chose pour ce qui est des débuts de partie. J'arrête pas d'accrocher le bouton drop. Ce que je voulais faire, c'est manger ceci. Excellent, un peu de nourriture. Côté nourriture, ça commence à baisser tranquillement aussi. On est presque à sec. Il nous reste deux chili. On va espérer trouver quelque chose de payant assez rapidement. On a un ours ici, on va l'éviter. Stamina de merde. J'ai oublié à quel point la stamina était pénible en début de partie lorsqu'on n'était pas au niveau. En fait, pas beaucoup de wellness, tout simplement. J'aimerais bien sortir de la zone de plaine dans laquelle on est présentement parce que c'est pas très propice à la formation de villages ou de villes intéressantes. Ça, c'est intéressant. C'est même étrange. Et je pense que dans les plaines, il y a plus d'ours que dans les autres biomes. Mais j'en suis pas sûr, alors ne me citez pas à ce sujet. Est-ce qu'on a quelque chose en bas qui se dessine? Ça semble se diriger vers un plateau. Je sais pas s'il va y avoir une petite ville. On va prendre un peu d'eau. Il nous reste deux bouteilles d'eau d'ailleurs, c'est pas beaucoup non plus. Mais on pourrait se faire des... un feu de camp assez facilement. D'ailleurs, je pense que je vais libérer mon inventaire en mangeant les deux cannes de chili qui me restent à l'instant. Eat. Et eat. Et drink. Donc, pratiquement plein de nourriture et presque plein d'eau. Est-ce que ce sont des... Aloe Vera. Ce qu'on pourrait faire, c'est abattre quelques cactus pour les fruits. Yuka, seulement qu'un. Qui donne un peu de nourriture, mais pas beaucoup. Oh, ouais, ça tient. Pistole, shotgun part. On va attendre. C'est un sac encore, c'est un cactus. Oh, on a une petite petite ferme. Pas une ferme, mais... En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Come on. La seule chose que je veux pas qu'il y ait, c'est des chiens qui vont spawner à côté. Parce qu'on sait que souvent les chiens vont spawner près des étables. C'est effectivement un chien. Si on en a seulement qu'un, c'est pas si mal. Mais je suis pas prêt à prendre le risque pour seulement qu'une ferme. Si ça avait été dans une ville, j'aurais pris la chance, mais juste une étable seule, isolée, ça vaut pas le coup. Une forest. On prend la soupe, ça c'est certain. Est-ce que je peux faire wear sur ça? Effectivement, j'avais rien équipé, fantastique. Un petit cochon. On commence à avoir des arbres ici, je sais pas si c'est un signe qui indique un changement de biome. Par contre, ce que je veux faire, c'est qu'on est encore à 1500 nord, donc je vais continuer au sud, juste pour me diriger plus près de la ville centrale. 21. Ça, c'est meilleur que ce que j'avais. Les bouteilles d'eau sont très efficaces. Ça, c'est quoi? C'est de l'aloe. Et voilà.
va se rediriger vers le sud. On a un lapin qui a atteint un cactus. Félicitations. On a un autre sac à dos ici. Bouteille vide. Toujours pratique. D'accord. Quelques zombies. Un cactus. Je croyais un instant que c'était un sac. On a un petit camping là-bas. Je vais vérifier voir s'il y a une voiture. Sinon, ça vaut pas la peine, je crois. Il n'y a pas grand-chose en fait. Alors, à part un cactus. Il y a peut-être le sac qui vaudrait la peine. Il y a deux sacs. Ah, en fait, une pote, d'accord. Il y a un sac. Deux sacs. Est-ce que ça vaut la peine de éclairer cet endroit-là? Je vais y aller pour non. Parce qu'on n'a pas encore de camp, de base sécuritaire. Il est déjà rendu 10h le matin, alors il faut faire vite et trouver un endroit sécuritaire pour la prochaine nuit. Putain de merde. Oh, what? C'est nouveau, ça? Une espèce de tour d'eau, quelque chose du genre. Intéressant, intéressant. Et un sac, donc c'est un cactus. Je crois que je vais laisser mon stamina remonter tranquillement. Est-ce que la soupe donne du stamina? Bon. On va y aller en marchant sans sprinter. Absolument rien ici. Absolument rien ici, fantastique. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans cette tour. Je pense qu'il n'y a absolument rien, à part les poubelles. On va prendre seulement les bouteilles vides. Et on redescend parce qu'il n'y a absolument rien à faire ici. Puis ça, on voit là-dedans. Les conserves vides, fantastique. Map, j'ai une autre route ici. Je suis presque sûr que ça rejoint la route sur laquelle on était dans, il y a quelques instants. Juste ici, quelque part. Je commence à être assez surélevé dans la falaise. Faire attention de ne pas tomber. Les deux routes se rejoignent. J'espère que ça continue encore au sud parce que j'ai pas le goût de retourner vers l'ouest. Oh oh. Je pense que la route tourne à 90 degrés ou presque. 180 degrés. Non. Est-ce que ça continue vers le sud? Je crois que oui. Nice. Donc, je pense qu'on est en train de faire un changement de biome. Effectivement, on entend le son ambiant qui change. Ça semble être plus montagneux ici. On va ramasser quelques roches pour faire des flèches. Oups. Ah, j'ai plus de place. On va dropper... Oh, pourquoi c'est là, ça? On va essayer d'avoir une petite vue d'ensemble. Et donc, c'est définitivement maintenant une espèce de plaine. Pas une plaine, une région montagneuse, plutôt. Un biome de montagne. Qui peut être intéressant pour les grottes et cavernes. Manquer la roche. Voilà. Donc, on va continuer vers le sud encore une fois. Toujours. J'ai entendu un ours. Pas l'air très loin. C'est plutôt... plutôt un endroit vide, je dirais, pour l'instant. Ce qu'on a exploré depuis le début, c'est plutôt... tranquille. Oh, il y a des gens qui se battent quelque part. Si on pouvait trouver quelque chose de bien, ça serait intéressant. Parce que c'est plutôt long. Je crois que je vais... faire une coupure au montage et... oh, ok. Tout d'un coup, il neige. Oh. Map. Est-ce
qu'on est loin du centre? Ça... Peut-être revenir tout à l'heure, si on trouve rien avant, mettons... Oh, oh, une petite maison encore. Deux maisons, peut-être? Ah, non, c'est la même. Wellness à 102, donc une maison identique ou presque à celle qu'on était il y a quelques instants, avec une caverne à côté aussi. Deux cavernes. C'est une caverne, c'est right? Yes. Donc on va se faire une petite séance de tuerie. Il y a encore une caverne là. Donc on a trois cavernes, pas très loin dans les parages, ce qui est bien. Il y a une autre maison en face là-bas. Fantastique, on va commencer à tuer les zombies, alors c'est parti. Ça va faire une bonne fin d'épisode. Oh, je peux les one-shot maintenant. Ok. Est-ce que mon arc a une meilleure qualité? Je peux remarquer. Je me souviens pas si j'en ai fait un autre ou pas. J'en ai peut-être fait une nouvelle, je me souviens plus. Nurse. Avec des blood bags. On mettrait ça à la place des sofas. On a un airdrop. Oh, c'est beaucoup trop loin. Merde. Dommage, dommage. Excellent. Est-ce qu'il reste des zombies? Encore une là. Manqué. Merde. On a une autre caverne ici. Elle se défoule. Manqué. Oh putain. Manqué encore. Oh, et j'ai plus de flèches. On va se refaire quelques flèches. Est-ce que j'ai assez de roches? Sûrement. 4. On va faire une vingtaine de flèches. Wow. Fail! Voilà. On va aller voir la maison, voir ce qui se trouve. On pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Level 9. Comme par exemple un livre de forge serait fantastique. Négatif. Un hunting knife book qu'on a déjà. Non, qu'on n'a pas déjà. Read. Oui, qu'on a déjà. Un petit symbole de livre dans le coin. De l'huile pour des weapon repair kits. On va se souvenir que c'est là. Oh, ok, ça. Un peu d'eau. Where? Oups. Ok, donc j'ai fait scrap, ça a l'air sans faire exprès. Fantastique. Bonjour monsieur. Un de moins. J'entends des bruits de pas. C'est peut-être un crawler. Donc, toujours pas de livre de forge. Ça m'agace un peu. Je pense que je vais aller me faire une petite course voir l'autre chalet. Qui était par... par là. Je me souviens plus. Toi, tu mérites de mourir. On peut même pas faire des first aid kits. Wow, il faut une recette pour les faire. Wow, un livre. Donc l'autre chalet, dans quel coin était-il? La map. Est-ce qu'on le voit de la map? Je pense qu'il était... Ouais, peut-être par là-bas. Oh, accrocher ma souris. Par là, possiblement. Oui, effectivement. Donc on va éclairer les deux chalets, puis on va pouvoir vérifier si on est chanceux avec un livre de forge. Ça
a l'air plus tranquille dans le coin ici. Quelques flèches. J'ai plus de place pour la roche. On va dropper. Scrap. Raté. Oh, j'ai plus de flèches. Merde. Roche. Non. Il nous faut des roches. Un ours. Non, pas un ours. Rose. Est-ce que l'arc fait plus de dégâts si on est plus proche? Peut-être? Ouh, what a shot! Wow, bonjour! Untouched... Le Moldy Bread pourrait être intéressant, mais... Malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de libérer de l'espace. Salut! D'autres blood bags. La porte n'est pas encore ouverte ici, je suis un peu déçu. Raté le headshot. Oh, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens. On va entrer ici à la place. Raté. Headshot. Ce que je vais faire, je vais dropper ceci et ramasser ceci. Les bandages avec du healing inclus. Et on va maintenant entrer de ce côté-ci parce que... Oh, c'est déjà ouvert d'ailleurs. Il reste 5 flèches. Il reste 3 zombies. Et des merdes qui marchent tout croche. Wow, ça c'est ridicule. Et je suis mort. Non, pas encore. Ok. Oui, je suis mort. Excellent! Donc, à ne pas faire dropper d'un escalier de 3 blocs parce qu'on se blesse et on se casse une jambe. Fantastique. Donc j'ai respawné dans la pièce, dans la maison où j'étais au début. Alors on va terminer là-dessus, puis je vais refaire mon chemin pour me rendre à l'endroit où je suis mort. Et on reprendra la prochaine fois, lorsque j'aurai retrouvé mon sac à dos. Alors je vous remercie d'avoir regardé, et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Alors merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Ciao!